Hey viewers, bienvenue dans RIM, un jeu créé par Sixfoot, Tequila Works et Greybox Game. Il est sorti le 26 mai 2017 et il est le digne descendant de Ico. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vendu, qu'on l'a teasé et j'aimerais bien savoir. Alors pour ceux qui notamment suivent ma chaîne depuis pas mal de temps, il faut savoir que j'ai fait le let's play sur Ico. Donc Ico, un jeu qui a été créé par la team Ico et qui a été considéré comme un petit chef-d'œuvre dans le fait que ça a été un des premiers jeux notamment à essayer de créer une ambiance dans le fait que notre héros va être tout simplement normal. Il va juste interagir avec le décor et vivre d'incroyables aventures sans vraiment avoir par exemple d'affichage, etc. Ça va être vraiment, on va devoir interagir avec tout ce qui va nous arriver sur la main et un petit peu jouer avec ça sur un petit peu cette pureté dans le jeu, enfin ce fait qu'il n'y aura pas vraiment d'indication ni de pouvoir ou je ne sais quoi. C'est vraiment, on va devoir être guidé par le jeu et se laisser emporter dans cet univers un petit peu onirique, un petit peu enchanteur, un petit peu rêveur dans cette cel shading que j'aime tout particulièrement, surtout sur cette île mais magnifique avec ses petites sables blancs. Et du coup nous sommes partis pour un display, donc je vais juste redonner les dates de sortie: le jeudi, lundi, vendredi, mardi, c'est les dates de sortie du let's play. Et on va se tourner autour d'un épisode de 20 minutes, je pense que ça sera plutôt bien. Et donc voilà, on atterrit sur cette île avec ce petit garçon. Ce petit garçon dont on ne sait rien pour le moment, et sur cette île un petit peu mystérieuse. Donc je pars par là, mais je ne sais pas du tout où est le bon chemin. Pour le coup, bah va falloir qu'on découvre un petit peu cette île et qu'on en apprenne un petit peu plus. Voilà, du coup on est lancé dans l'aventure, hein, on ne sait pas plus. Et déjà on a déjà pu entendre que le jeu, mais oh là là, la musique est juste magnifique. Ok, on peut monter, très bien. Alors voilà. Donc je suis sur PS4, hein, le jeu est sorti sur, alors je regarde ma petite fiche, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Microsoft Windows, donc PC quoi. Tiens, c'est quoi ce truc? Oh, je peux interagir avec les décors, ok. Je peux carrément appuyer dessus et faire de certaines choses. Toi petit lézard, ça va? Non? D'accord. Alors, on peut passer par là, mais notamment ici, il n'y a pas d'autres trucs qu'on pourrait faire avec. Je reviens, hein, je veux vraiment tout visiter au cas où. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses, non, on vient de par là nous. Ouais, on vient de par là, donc ça servira à rien qu'on revienne en arrière. J'ai l'impression, ouais, qu'il faut monter et qu'on va aller vers la petite sortie par ici. Ça me semble plutôt être une bonne idée. Voilà, c'est joli. En tout cas, j'aime beaucoup la pâte artistique. Le cel shading, mais ça fait rêver. Les feuilles sont magnifiques aussi. L'animation des feuilles, c'est splendide. En tout cas, elle est très intrigante cette petite tour au fond. Ok, donc à quoi ça servait à part de revenir ici? Je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'on pouvait juste, hop, toucher un petit peu au vase de tout à l'heure. Alors je serais, voilà, comme j'ai dit, je suis très intrigué par cette tour. Je serais plutôt tenté de m'y avancer. Alors peut-être que par là on pourrait peut-être trouver un moyen de monter par la tour. Donc voilà, il n'y a aucune indication, il va falloir qu'on se débrouille par nous-mêmes. On sait souvent pas mon fort la débrouille, mais je vais y arriver, vous inquiétez pas. Alors est-ce que par hasard je peux, non, d'accord, mais Ron, peut-être que je peux, oui voilà, nager comme ça. Donc tout à l'heure on a réussi à débloquer un pot. Peut-être que les pots qu'on a débloqués, c'est peut-être un objectif bonus ou un truc dans le genre, je ne sais pas, on verra bien par la suite. Et bah du coup continuons, voilà. Ok, je pense que là ça me semble être l'endroit, le chemin. On va monter par les petites feuilles, à mon avis ça, on va pouvoir s'y agripper, oui, parfait. On va pouvoir un petit peu, on va aller en haut, vous savez quoi, comme ça on va pouvoir admirer la vue et un petit peu voir un peu plus, de plus près, enfin de plus loin cette île, un petit peu se rendre compte de comment elle est. Oh, ah oui, c'est vraiment dépaysant. Oh, c'est splendide. On se croirait vraiment sur une petite île, un petit peu des Caraïbes avec ses petits palmiers, ses écorces d'arbres. Vous voyez, c'est typiquement dans les pichous, voilà, qu'il y a ce genre d'écorces d'arbres. Et là, les fontaines et tout, c'est magnifique. Ok. D'ailleurs, je serais très intrigué de savoir ce que c'est, ça, là. On dirait un petit loup ou un petit renard. On a vu tout à l'heure qu'on avait pu interagir avec... Hop, ça c'est quoi? Attendez, ici il y a des petits renards aussi. Ok, très bien. Je sais pas du tout où il faut aller. J'ai l'impression vraiment le jeu te dit débrouille-toi et tu verras bien ce qui va se passer par la suite. Moi ça me plaît plutôt bien comme façon de faire. On va se diriger vers la lumière bleue. Oh, il y a une espèce de quoi? C'est quoi au-dessus? Une espèce de loup ou de renard, je ne sais pas. On va essayer de cliquer dessus pour voir ce qui s'y passe. Hop, très bien. Triangle. Allez, on va voir ce qui s'y passe. Oh. Ok. La musique en tout cas est splendide. Donc ça va être un esprit tout en douceur. On va prendre notre temps, explorer, voyager.
C'est un peu le but de ce jeu. Sortir un petit peu de notre univers et se plonger dans un autre. Ok, donc il y a 4 petits loups à trouver. Ok, très bien. Alors peut-être qu'ici c'était genre le premier petit loup facile à trouver et qu'ensuite on va un petit peu galérer pour les trouver. Bon, allez, on va voir ce qu'il y a là-bas. À mon avis, là il va y avoir un peu plus. Ah non, c'est pas plus galère que ça. Non, d'accord, faut juste trouver le nouveau loup. En tout cas, l'île a l'air assez grande. Elle a l'air à la fois assez grande et assez petite en soi. Cette tour est magnifique. Oh, j'adore le bruit des golems aussi. De toute façon, dites-vous que tous les jeux comme ça. Salut, ça va? Oh, qu'est-ce qu'il a lui? Non, mais je veux juste passer, hein. Je veux rien faire de plus. Ok, d'accord. On peut pas venir par ici pour le moment. Va falloir trouver un moyen de l'attirer. Ok, et là, il y a l'air d'avoir plutôt un parcours pour aller jusqu'au prochain. Bon, on va y aller. Voilà, comme je disais. C'est vraiment très dépaysant. C'est très très dépaysant avec une superbe bande son. Alors là, pour le coup. Oh! Regardez, il y a une espèce d'homme là-bas. Attendez, on va y aller. Ok, donc là déjà, première rencontre avec quelqu'un d'autre. Intéressant. On va essayer d'aller lui parler pour lui demander où sommes-nous. Et surtout, qui sommes-nous? Ouf, je sens que l'eau, c'est pas la meilleure des solutions. J'avoue que ça me fait un peu stresser l'eau. Surtout que j'ai l'impression d'être à la merci de tout le monde. Ah! Faut qu'on plonge. Ah ah! Ok, tout un système avec l'eau et tout. On peut plonger et tout. Pas comme dans Ico d'ailleurs, parce que dans Ico, bah, il n'y a pas d'eau. Mais là, on peut y aller. Ok, très bien. Allez, montons. Montons. Donc voilà, si je dis que c'est comme Ico, c'est parce que ce jeu se veut être un descendant dans le même style. Je le compare à Ico parce que c'est un peu dans le même style. Pour ceux qui ont aimé Ico, ils peuvent du coup peut-être se retrouver dans ce let's play. Voilà. Superbe bande son, j'adore. Ok, donc nous avons débloqué un nouveau loup. Et toi mon petit bonhomme là, mince, je voulais pas tomber. Voilà. Ok. Alors on va juste aller voir le petit monsieur que j'ai vu au fond. Ok, là on est bloqué. Il a disparu. Je l'ai pas vu disparaître, mais il a disparu. Ok, très bien. Bon, et ben peut-être qu'on le retrouvera plus tard. Pour le moment, il a l'air de plutôt se cacher. Alors, il nous reste quoi d'autre à débloquer? Là-bas, il y en a un tout au haut de la tour. Oh là là. Il y a des magnifiques aurores boréales avec la caméra, vous voyez, qui va bien se centrer avec le reste des décors pour qu'on puisse bien l'observer. C'est génial. Alors, à mon avis, le petit sanglier, il va falloir qu'on l'attire peut-être avec des glands. Hein, ça pourrait être pas mal. Un sanglier, ça avait des glands, non? On va tester. Ah, ici, il y a une autre famille de sangliers. On va voir ce qu'ils en pensent. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de... Ah, est-ce que ça vous ennuierait pas si je pique un petit peu de... Ah, je crois avoir trouvé. Ça vous ennuierait pas si je pique un petit peu de tout ça? Est-ce que je peux emporter des choses? Non, il chante. Alors, okay, on peut faire des petites roulades, ça je l'avais bien compris. Tu peux pas... Ah, voilà, parfait. Allez, on y va. Oh, c'est stylé. D'accord, on peut attirer tous les sangliers comme ça. Dans le plus grand des calmes. Oh bah super. Allez, venez pour ici, vous. Ok, ils nous ont pas suivi jusqu'au bout. Oh, ils sont trop mignons, ces petits sangliers. Voilà, c'est tout mignon. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de méchants. C'est cool. Ok, voilà, on les nourrit, ils sont contents. Je sais pas pourquoi ils viennent choisir cette mangue plutôt qu'une autre. Mais bon, ça a l'air de leur faire plaisir. Allez, on va activer la petite statue. Voilà. Avec la superbe musique qui se débloque. Oh, une super bonne son. Alors là, je regarde pas d'avoir mis le son à fond. D'habitude. Ok. J'ai l'impression que la mort n'est pas punitive dans le jeu. C'est très bien, j'aime pas les morts punitives. J'aime bien juste être tranquille. Ok, du coup là on a débloqué du coup 3 petits sur 4. Voilà, il va bientôt être débloqué. Voilà. Super sympa. Alors là je ne m'y attendais pas du tout à un jeu aussi ouvert en fait. Je pensais que quand j'allais allumer le jeu, j'allais tomber sur un jeu vraiment en ligne droite. Et là c'est beaucoup plus ouvert que vraiment là était Ico en fait. Très intéressant, j'aime beaucoup ça. Après bien sûr je pense que pour le moment on est assez ouvert mais tout en étant assez refermé pour pas qu'on s'échappe. Il y a aussi j'ai l'impression un cycle jour-nuit. Peut-être qu'on peut passer rapidement de jour et de nuit dans le jeu. Hop, très bien. Ok. Bon, on a vu que la mort n'était pas très punitive, ça c'est bien. Je vais beaucoup le comparer à Ico, mais c'était un défaut d'Ico. D'ailleurs pour ceux qui aiment ce display, je vous conseille aussi Ico quand vous l'aurez terminé. Bon, je m'avance parce que je dis quand vous l'aurez terminé, mais je suis pas sûr de le terminer tout de suite. Un petit renard. Ah, des petits trophées à trouver. Super. Bah j'ai trouvé un renard. Je ne sais pas quoi il va me servir, mais peut-être que plus tard, on ne sait pas. Ça va peut-être me servir. Ok, très bien. Bon bah, va falloir bien fouiller cette île. Elle a l'air de regorger de secrets.
Allez, je pense que... Ouais, voilà, ça se voyait avec les petites sables blancs. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça qui font qu'on arrive facilement à se repérer sur un jeu. Et du coup, ne pas avoir de problème pour savoir où aller. Voilà. Ok, pour le moment, je pense que je prends le bon chemin. Alors, à mon avis, vous voyez le chemin de sable où j'étais allé au tout début, qui n'était pas le bon, et après je suis allé en arrière. À mon avis, il devait peut-être y avoir une statue derrière. Non, peut-être pas, en fait, parce que je pense que la première statue qu'on devait avoir, c'est le renard. Donc, en fait, pour le moment, j'en ai loupé aucune. À mon avis, la première statue qu'on doit avoir, c'est le renard, vu que c'est dans l'ordre. Donc, pour le moment, je pense que je n'ai loupé aucune statue. Faudra essayer de toutes les avoir, ça pourrait être intéressant. Ah, donc toi, tu es le dernier. Ah, super. Avec toujours cet homme. Alors, il a l'air un petit peu effrayant, mais on va aller essayer de lui parler. Salut, mon bonhomme, ça va? Ok, bah, ça a l'air d'être chez lui. Il a l'air de nous inviter comme s'il voulait qu'on vienne. Non, il nous observe et il disparaît à chaque fois. Très intriguant, cet homme. D'ailleurs, on pourra aussi remarquer que la musique s'éteint quand on rentre dans les bâtiments, le bâtiment nous protège un peu du son, de la musique. Allez, on va suivre la musique. Hop, vite, vite, vite. Yeah, voilà. Allez, go, 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 go. Super, j'adore. Attendez, juste. Allez, j'ai trouvé ma miniature. Magnifique, magnifique. Vous voyez, des fois, pour faire un bon jeu, il suffit pas juste de faire des détails super réalistes. Quelques broussailles, un peu de shell shading, puis ça fait le taf, quoi. Après, je ne dénigre pas le travail qu'il y a eu derrière pour faire tous les décors, mais là, c'est vraiment splendide. Hein. C'est vraiment splendide. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il n'y a pas forcément besoin de faire des trucs super réalistes pour que ça soit beau. Je suis où? Je suis paumé. Ok, c'est bon. Il y a eu un petit problème avec la caméra, mais ça a l'air d'aller. Oh, il y a une petite lumière ici. Par où je dois passer, là? Ah mince, ah fallait s'accrocher, j'avais pas vu. Ok d'accord, ça revient au dernier point de contrôle. Allez, on va se pendre ici. Se pendre. Ne nous trompons pas de mots. Oui, voilà, parfait. Donc ça joue un peu Assassin's Creed, mais très bien. Et allez, montons. Voilà, parfait, allez, avançons. Du coup je suis un peu je voulais aller. Non mais, ah faut vraiment que je gère les sauts, parce que j'ai pas encore bien l'habitude des sauts. Voilà, très bien. Et là, normalement, on va essayer quand même de pas tomber. C'est pas trop compliqué. Ouais, voilà. J'ai vu qu'à gauche, il y avait une petite lumière. Alors, peut-être que à la petite lumière, il y aurait peut-être un truc à débloquer. Voilà. Ah! Eh! Eh, c'est qui le plus fort? Ramasse. Ok, donc non! Il y a plein de trucs à débloquer. Ok, donc il va falloir vraiment qu'on visite. Je visiterai en fond et en comble. De fond en comble, pour bien trouver. En tout cas, c'est plus facile de voir la nuit des objets qui brillent. Hein. Ça, c'est sûr. Faut mieux chercher la nuit. Donc voilà, il y a bien un cycle jour-nuit. Je ne sais pas si ça change quelque chose par rapport à l'ambiance, au gameplay, ou peut-être à des méchants qui apparaîtraient la nuit. Ça pourrait être le cas. Ah, peut-être qu'ici il y a un truc à débloquer. Je ne sais pas, hein, du coup, le jeu me met le doute un peu partout. Ah ouais. Bon, en fait, tout est tellement magnifique dans ce jeu. Tout est magnifique. Ce ciel. Oh mon dieu, ce ciel, mais il est magnifique. Ah ouais. Ah oui, mais là c'est génial. Ce jeu, je suis tombé sous le charme du jeu, c'est bon. Ah, il a pas fait grand chose, hein. Il m'a juste mis dans un petit décor, tout ça, avec une petite musique, avec une bonne ambiance sonore, et voilà, on est déjà plongé dans l'univers. Allez, parlons au renard. Ah, parce qu'à force, j'ai compris que c'était un renard. Ah, peut-être qu'il faut faire un truc avec les statues. Ah, j'ai crié, d'accord. J'ai l'impression que la force de notre pouvoir, c'est le cri. Ce let's play est tout bonnement magique. Oh le petit renard, mais en plus il est trop mignon. Alors voilà, je vais aujourd'hui sur ce let's play plutôt adopter un ton voilà très calme, très posé. J'ai pas envie de vraiment être surexcité ni rien dans ce let's play. Je veux juste prendre mon temps, être un petit peu posé, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ce que veut le let's play. Bah, il est où le renard? On l'avait pas trouvé? Bon bah tant pis, c'est pas grave. On va allumer la petite statue et on va aller chercher le petit renard. Tout mignon. Mais tout le monde nous fuit dans ce let's play, c'est pas possible. On rencontre un mec en rouge, bim, il nous fuit. On rencontre un petit renard, bim, il nous fuit. J'ai l'impression que tout le monde nous déteste. Alors, par contre, je détecte quelques ralentissements. Alors, vous ne le verrez pas dans la vidéo, mais moi, je le vois. Parce que je passe de 60 à environ une quarantaine d'FPS. C'est un peu dommage. Ok. Oh, il a son ami, le renard. Ah non, c'est un pas cochère. Comment je monte ici? Tu peux m'aider?
Alors peut-être que... Il avait l'air d'avoir des pouvoirs magiques tout à l'heure. Là, il a l'air d'avoir un truc. Salut, tu peux m'aider? Bah, t'as l'air d'aboyer, mais tu fais pas grand chose à part aboyer. Alors, il a l'air de crier, et ça fait de l'écho. Ah, là, il y a un truc, notamment. Ah, une espèce de sablier. Peut-être que si je parle... Voilà, faut crier. Faut crier pour activer les sabliers. Oh, c'est mignon. Ah oui, je comprends pourquoi il a hurlé, le chien. C'est pour qu'on puisse le suivre, en fait. Ok, là, du coup, il y a la source du pouvoir qui s'est débloquée. Grâce au sablier. Alors peut-être que comme c'est un sablier, ça dure pas à l'infini, donc on va juste surveiller ça. Ouais, la flemme. On verra plus tard si c'est à l'infini ou pas. Ah oui, c'est bien. J'ai l'impression qu'il y a eu un bruit qui dit qu'il est redescendu, donc c'est que c'est pas infini. Viens. Je ferai pas de mal. Voilà. Tout doux, mon petit renard. T'inquiète pas, je te suis. J'ai compris que tu voulais que je te suive. J'arrive, mon petit renard. Oh, lui, trop mignon. Salut, salut. On va l'appeler Oda, hein, parce que pour ceux qui comprendront, pour ceux qui sont sur ma chaîne, je pense qu'ils comprendront. On va l'appeler Oda. Allez, j'arrive. Non, je vérifie juste qu'il n'y ait pas de statue à ramasser, sinon j'arrive. J'arrive, mon petit Oda. Où es-tu? Bah, il a disparu. Bon, viens la voir s'il veut nous voir. On va parler à la statue. Ah, il reste une source de lumière. Ah, je l'entends. Ah, ici, elle est là. Elle était cachée. Voilà. Vite, 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 faut y aller vite. Ok, faut débloquer les sources en même temps. Allez, cours, 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 cours. Vite, vite, vite. Allez, petite roulade. Allez, il est dans la lumière. Ouais, d'accord, faut... D'accord, faut crier au bon moment pour débloquer les sources de lumière. Ah, il a l'air de pouvoir carrément traverser le décor, lui. Il est bien trop fort. Plus fort que nous. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. J'arrive, mon renard. Ah, attends-moi. On dirait un petit peu le petit prince et le renard. Il est trop mignon. Et voilà, c'est en ça que je dis que ça ressemble beaucoup à Ico. Ça me fait penser à la relation entre Yorda et Ico, justement. Le fait qu'il y ait deux personnages. Un personnage qui fait ce qu'il veut et un autre personnage qu'on va pouvoir contrôler. Ok, d'accord, j'ai l'impression que faut faire un truc avec ça peut-être. Ah, je crois avoir trouvé. Oh. Ah, je crois avoir trouvé. Ah, le petit renard. Non mais je veux pas qu'il disparaisse, moi. J'ai l'impression qu'il voulait me conduire ici. Et qu'il a disparu pour me conduire ici. Et vous savez quoi? On va s'arrêter là. Voilà, je pense que ce premier épisode vous aura déjà donné un aperçu de l'ambiance du jeu. Ça va être une ambiance calme, avec une jolie petite musique derrière, accompagnée d'un petit renard qui va nous guider autour de cette aventure étoilée. Accompagné de notre petit héros que nous appellerons Ico, parce que, en référence à du coup au jeu Ico, parce que en plus c'est tellement stylé le nom Ico, avec la jolie petite lune, l'énorme tour, et la musique qui s'est arrêtée, dommage. Voilà, en tout cas j'espère que ce premier épisode vous aura plu. On rejoint ensemble la prochaine fois. Et allez, sur bye bye tout le monde.